Mais non, est-ce que vous avez kiffé l'épisode 1 des vlogs douteux? C'était bien? C'était assez douteux pour vous? Bon les gars, on commence l'épisode 2, c'est un peu triste, je vous avoue. Mais vous vous souvenez les petits bébés chatons que j'avais en famille d'accueil? Ils sont juste là. Car je les ramène et ils vont trouver une famille. Eh oui, ça y est, ce sont des grands garçons. Oui, il est en giga sieste, ça y est. On peut pas faire un zoom là? Oh là là. T'es trop mignon, Steven. Pardon, je t'ai réveillé. Parce que du coup, Léa, que vous avez vu dans le dernier vlog douteux, elle sauve plein d'animaux. C'est vraiment cool, c'est vraiment super. Il faut faire ça, faites ça plus souvent. Et si vous faites pas ça, faites des dons. Allez, les enfants, c'est l'heure de trouver une famille. Hé, hey, petit, viens dire bonjour. Oh là là là, ça va, t'es minuscule. C'est un chien, ça, même, ou c'est un furet? C'est un chien furera. Oh, vas-y, cours. Allez. Oui. Oui. Non, c'est trop mignon. Stella, elle fait combien? 410. 410 grammes, Stella. Énorme. Énorme, c'est énorme. Énorme bidon. Et elle, 1 gramme. C'est l'heure de la peser, si elle arrive à tenir en place. Non, 850 grammes. 850 grammes. Lourd. Allez, c'est parti. Je l'ai appelé Ace comme dans One Piece. Oh non. Regarde. C'est un mâle? Oui. Il est trop chou. Regarde son pelage. Il est noir. Et en fait, quand tu fais ça, ça devient. Oh, mais quoi? C'est un chat double face? Mais oui. Non, la dinguerie. C'est du double face, ce chat. Trop mimi. Après... Ça me fait trop de la peine d'entendre tous les petits chats. Oui, mais j'ai pas encore fait les trucs. Regarde les pattes. Mais c'est quoi? C'est un Maine Coon? Bah. Ah, mais c'est un. Ah oui, oh là là, mais c'est quoi ça? Sûrement croisé Maine Coon, quoi. Mais il y a 6 griffes? Mais c'est un tigre en fait. Mais c'est une malformation, personne n'a ça. Il y a des Maine Coons qui ont ça. Non mais c'est fou. Un chat qui a des pouces, frère. Le chat, il peut jouer à Valorant. Faut vraiment avoir une force mentale de ouf en vrai quand tu bosses comme ça parce que... En fait, il y a beaucoup d'animaux qui décèdent malheureusement. Soit ils ont des maladies, soit faut les euthanasier. Soi-même. Non, je pourrais pas vraiment. Donc force à Léa, bravo. Léa, chapeau. Franchement, chapeau, chapiteau Léa, pour tout ça. Bon les gars, du coup, moi je me suis arrêté au magasin. Je suis victime de la société de consommation. C'est-à-dire, j'ai acheté des Skittles, des Nerds. Enfin, en gros, des bonbons. En gros, j'ai acheté des bonbons. Genre full bonbons. Voilà. Et je rentre à l'appart, hein. On va faire un peu de ménage. Il y a plus les chatons en plus. Ok, ne traversez pas la route dans Nantes s'il n'y a pas de passage piéton. J'ai failli mourir. Ça aurait fait des vues, genre. Tu sais, moi, de toute façon, je suis là que pour les stats, genre. Ce soir, je vais dans une ville qui s'appelle La Roche-sur-Fion. Oui, c'est original. Mais bon, on aime tous les fions ici. J'ai pas raison, la team. Du coup, je vais à La Roche-sur-Fion et on va faire la fête, hein. Ouais, du coup, je vous remène encore faire la fête. Mais ça va. Dans ce vlog douteux, on n'a pas encore fait la fête. Donc, on peut se permettre de faire une petite fête quand même. Voilà. Allez, on se voit tout à l'heure. Miam, miam. Fais des plans un peu. Tu fais des plans là, comme ça, ah genre plan traveling et tout. Après tu fais des transitions dessus un peu. On vous parle. Non, on ne voit pas, c'est quoi? Ah, pardon, j'avais pas compris, en fait, il fallait faire. On est au parc, à La Roche, et nous avons Drop Dadou qui va peut-être danser la salsa. Mais le film, là. Non. Oh, putain, partout. Ah, en vrai, j'ai fait ça qu'une fois, c'était en camp, il y a 2 semaines. T'as fait quoi? Bah, mais les deux boucles d'un mec. Les deux. Non, impossible. Les deux. Ah, c'est énorme. Jure. Ah, bah ça, bravo. Bravo, j'aimerais trop. Oh, c'est douteux là ce que tu filmes. C'est douteux. C'est le vlog douteux. Stéphane, m'accordez-vous cette danse? À la maison, si tu veux, je peux faire. À la maison. Oh, j'adore ce son, mec. Allez, viens danser. Je vais pas y aller tout seul quand même. Non, vraiment pas. On va danser la techno là. Bon là je suis sur un vlog vraiment très douteux, hein. Ouais, c'est la bachata ici ou... J'arrive, y'a Dorian... On peut mettre de la bachata là-dedans. J'arrive, y'a Dorian douteux, il fait la bachata. Les pas. Les pas. Hey, 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 oh, oh, ah. Et je peux rajouter une boule. Oh, j'ai ripé, chef. En général, il fait ça sobre. Comme ça. Oui. Bah là c'est pour ça que je suis sobre, je le fais maintenant. Il est à deux doigts de cracher du feu. Lara, si tu veux prendre feu, c'est maintenant. Tu veux rejoindre la team chauve?
Ouais, alors le feu, c'était comment? Vous avez kiffé? Bon, c'est vrai que j'ai pas mal fait la fête ces derniers jours, c'est vrai. Mais pour ma défense, je suis rentré. J'ai fait le mariage en question, je cherchais le costume là dans le vlog douteux épisode 1. Et oui, c'est bon, le mariage est fait. Aujourd'hui, messieurs, dames, c'est le 13 août. Là, aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle. C'est mon anniversaire, j'ai 26 ans, bravo à moi, sérieux, bravo. Bravo Dadou. Évidemment, j'ai le meilleur cadeau qui soit, la bêta de Dofus Unity qui sort là tout à l'heure, dans une heure. Du coup, j'ai fait mes courses. Pour la bêta de Dofus Unity, j'ai acheté des trucs comme ça là, qui se mangent direct, prêts à manger. Et après, j'ai acheté plein de Red Bull là, plein de Red Bull différents. Et des Monsters aussi, et des sandwichs. Ouais, on est sur une alimentation vraiment digne d'un temporis sur Dofus, mais là c'est la bêta, c'est à peu près pareil. Hein. Sauf qu'entre temps, je vais avoir un déménagement à faire. Allez, on se retrouve devant Dofus, hein. C'est bientôt là. J'y vais, je prends la route. Feu, feu. Le vlog douteux. On n'est plus du tout dans le doute là, les gars. Je viens de rentrer. En Kama, ils ont fait un tweet pour dire voilà, vous pouvez déjà installer la bêta, lancer le client, faire vos réglages. On revient vers vous pour les ouvertures du serveur. Genre là, les gars, dans les oreilles, j'ai la musique de Dofus remasterisée en version bien récente là. Sérieux, je suis dans les menus d'options. C'est magnifique, les gars. On peut même changer son thème. C'est tellement smooth. Ça ouvre bientôt, je pense. Je vais faire un stream en vrai. Hein. J'ai pas de décor, mais c'est pas grave. D'ailleurs, vous avez pas vu la pièce. Attendez, je vais vous montrer. Du coup, j'ai rangé un écran. Je suis repassé en mode setup double écran, j'ai quand même gardé ma cam et mes lights au cas où je stream hein, pour faire des vidéos et tout. Mais sinon derrière, il y a plus rien au mur, il y a plus rien. C'est le décor, voilà. Donc là j'ai mon troisième écran qui est par terre et concrètement bah voilà, il y a plus qu'à. Mais bon, en attendant. Dofus Unity! La caméra elle fait n'importe quoi. Pourquoi tu filmes le placard, frère? D'ailleurs, j'ai fait quelques plans de moi qui range là et qui nettoie, c'est pas du tout passionnant, mais vas-y, je vous mets des extraits, non? C'est Dofus Unity. Oh là là, mais c'est si fluide. Non, je pète mon crâne. Et regardez, en plus, je suis en stream. Et ouais, le vlog douteux. Regardez, le chat vous dit bonjour, en plus, quelle dinguerie. On a Gabi qui dit bonjour. On a Sauveille qui dit bonjour. Voilà, le vlog douteux. Mais non, on a Nicoden aussi. Wow, que d'énergie dans la séquence précédente. Mais en même temps, les gars, Dofus Unity, c'est vraiment trop bon. Mais alors là, vous vous dites, qu'est-ce que tu fais dans ta voiture, Drop Dadou? Si, il y a Dofus Unity qui est sorti, là, à la bêta. J'emmène des amis à l'aéroport, ils vont à Londres. Et oui, donc je fais l'aller-retour. Je les prends dans ma voiture, je les amène à l'aéroport et ensuite, bam, je retourne jouer à Dofus Unity. Voilà, en gros, c'est ça le programme de ma soirée. En plus, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire, les gars. Genre, ça me régale. Ce matin, j'ai fait quoi? J'ai poncé un mur avec du dissolvant pour enlever de l'adhésif qui restait dessus. Et sinon, tout ce que je fais, c'est jouer à Dofus Unity, les gars. Ça me régale. Et d'ailleurs, j'ai lancé un stream, vous l'avez vu dans la séquence précédente, ça fait grave plaisir. Ça faisait genre un mois et demi, j'avais pas stream, donc trop cool. Enfin, voilà. Salut, c'est le vlog de Douteux. L'autre douteux. T'es sur moi là? On a taxi. Bonjour taxi. Drop taxi. Et il nous emmène en voyage. Le cadrage, il est professionnel. On est sur des vlogs douteux. Avec un cadrage douteux. Monsieur douteux. Vous clôturez l'épisode 2, messieurs dames. Monsieur a du contenu. C'est le moment où je mets une musique summer vibe là, où on filme la route. Exactement. Sinon, tu mets de la dubstep. Ok. Oh, ça a l'air bon. Bonne chance. T'envoies un message quand t'es arrivé. Ouais, oui. Mais quoi, il y a une heure. Et volez pas trop. Bon. Mission accomplie, les gars, c'est bon. Ils sont partis pour Londres. Et moi, vous savez ce que je vais faire là? Je suis tout seul à la maison. Certes, dans 3 jours, je déménage vivre chez ma grande sœur en attendant de trouver un nouvel appart. Mais pour l'instant, c'est mon anniversaire. Quoi de mieux pour fêter mon anniversaire que de me détruire un Big Burger King avec Dofus Unity? Ouais, je suis un gros puant, ouais. Et j'ai des boutons qui me poussent sur le visage. Et vous savez quoi? Ça me plaît. Je vais pouvoir déguster mes onion rings là, miam miam! Jeune sans Pellegrino, évidemment, je ne suis pas une équipe qui gagne, les gars. Hein. Je devrais être sponsor par eux, sérieux. J'espère que ce deuxième vlog douteux vous a plu en tout cas. Je vous tiens au courant très vite. Rendez-vous dans le prochain épisode pour l'emménagement, je pense. Vous allez découvrir mon nouveau chez moi de transition. Et puis vous allez sûrement voir ma grande sœur, ma petite sœur et tous ses chats. Ça va être super. J'ai eu vraiment des bons retours sur l'épisode 1 des vlogs douteux, donc c'est parti. Cette caméra est toujours dans ma poche et je filme quotidiennement. Je vous partage ma vie, c'est léger, c'est du contenu léger. J'aime bien, vous aimez bien, alors c'est super. On y va, on continue. N'oubliez pas
pas un petit pouce bleu et puis vous pouvez me parler en commentaire, vous savez. Je suis là, je lis, je réponds même des fois. Incroyable. Allez, bisous, c'était Drop Dadou. À table.